que vous allez bien. Alors moi c'est Patricia, mais vous m'appelez Pipa Mutu Patoche, c'est comme vous voulez. Alors j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai trouvé pendant les soldes. Pas grand chose, parce que franchement cette année les soldes c'était trop nul. Enfin ça fait quand même 2-3 ans que je suis plus trop à fond sur les soldes parce que je trouve plus rien. Mais du coup là j'ai quand même décidé de vous montrer ce que j'ai trouvé pendant cette période de soldes. Donc j'arrête de parler et je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Alors je vais commencer par vous montrer ce que j'ai trouvé chez Zara. J'ai trouvé 2-3 pièces assez sympas. Premièrement ce sweat trop mignon, jaune poussin avec écrit banana split dessus. J'ai trop kiffé quand j'ai vu écrit banana, j'ai pensé au mignon direct. Banana, 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 banana. Je trouve qu'il est trop mignon, c'est un sweat assez large. J'ai pris en taille S. Je pensais que je pouvais le porter en robe, mais en fait non, parce qu'il est assez court quand même, il s'arrête en dessous des fesses. Donc en gros, si on met ça en robe, faire attention quand on bouge. Le prix, il me semble que le sweat, je l'ai acheté à 9,99€. J'ai oublié les prix, hein. Franchement, j'ai jeté tous les tickets. Je vais essayer de vous mettre quand même les liens en barre d'infos, mais je suis pas sûre de trouver parce que ça c'était au début des soldes et j'ai jamais vu sur le site, donc je sais pas si je vais trouver. Mais je vais faire mon possible pour mettre les liens. Donc ce sweat, j'aime beaucoup. Je voulais vraiment un sweat jaune comme ça parce que je kiffe cette couleur. Et en plus, pour la saison, bah, printemps-été, j'aime bien. Chez Zara toujours, j'ai trouvé ce jean taille haute. C'est un jean mom. Très très beau. Très très beau. J'aime beaucoup la couleur du bleu. C'est du 32. Moi je trouve qu'il est assez grand quand même pour du 32. J'ai l'impression que c'est du 34. Les tailles de chez Zara, moi je comprends pas. Vraiment je comprends pas du tout. En plus au niveau de là, là vous voyez que la fermeture est claire. Et là, là bah, juste devant, je trouve que ça baille un peu. C'est un peu grand sur moi je trouve. C'est le seul défaut, mais bon quand je mets une ceinture ça le fait quand même, ça va. Du coup j'aime beaucoup. Je trouve super beau. En plus il me fallait absolument des jeans, donc j'étais contente quand même quand je l'ai trouvé. Et je l'ai acheté à 12,99€. Alors cette pièce, je l'aime trop. Je trouve que c'est tout est bien fait en fait, je trouve. Donc c'est un bomber comme ça en velours, vert bouteille avec des fleurs imprimées un peu. Ça fait un peu tropical je trouve. C'est super beau, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Avec des poches, les détails là, il y a 3 poches avec une fermeture et 2 là avec des boutons. Cette veste, je la kiffe, franchement elle est super belle. Avec un jean taille haute, vraiment ça le fait trop. Je l'adore. Et toujours chez Zara, cette paire de bottines, pam, canon. Franchement, j'adore. C'est juste magnifique. J'aime trop la languette. J'adore. Elles montent super haut quand même. Ça change. J'aime beaucoup. En plus, je trouve que ça fait très Doc Martens. Très belle imitation. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous pouvez fermer, vous voyez il y a des petites attaches ici. Moi je pense que j'ai laissé ouvert, ça fait plus, je sais pas, ça donne un style. Quand on fait pas les lacets, je trouve que ça donne un style, j'aime beaucoup. J'ai également acheté un jean taille haute, mais boyfriend cette fois, de chez Bershka. Avec un trou là au niveau du genou. Je kiffe. J'aime beaucoup ce détail, en fait j'aime bien, j'adore les jeans troués. En plus j'avais plus du tout de jeans, ou par exemple je cherchais vraiment que des pantalons, que des jeans particulièrement parce que j'avais plus rien. Du coup lui je kiffe, j'adore le bleu, c'est un bleu clair, j'aime beaucoup. En plus avec la petite écriture là, au niveau du genou. Je sais pas si vous allez voir. Wake me when I'm famous. J'ai un autre jean aussi un peu dans le même style, mais cette fois je l'ai acheté chez Pinky. Là il y a beaucoup plus de trous et du coup vous voyez elle est... le trou il est pas vraiment, on voit pas la peau quoi, il y a tous les fils blancs là, j'aime bien, ça donne un style. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a aussi des petits trous là au niveau des poches. Super sympa, super beau, taille haute toujours. Mais encore une fois c'est le même problème, je l'ai pris en taille 32 il me semble. Ouais en taille 32. En fait moi mon problème c'est que je fais du 32-34, bon je pense que je fais plus du 32 que du 34. Mais le souci c'est qu'en fait j'ai pas de hanche. Vous voyez j'ai pas de taille, j'ai pas de hanche. Donc en fait pour trouver quelque chose de bien serré au niveau de la taille c'est très très compliqué. Donc là je suis obligée de mettre une ceinture et même quand je mets une ceinture vous voyez ici c'est...
c'est un peu large quoi. On va dire que ça va être un t-shirt zizi, vous voyez. Donc ça c'est un peu chiant. Voilà. Mais je l'aime bien quand même. Je le valide. Petite astuce ou conseil aussi les filles que je peux vous donner, quand vous mettez des jeans trop au niveau des genoux, pensez à faire des gommages. C'est pas très joli quoi quand les genoux ils sont irrités ou secs, tout ça, donc pensez à faire des gommages. Moi en ce moment j'utilise le gommage de chez Hello Body, le Coco Glow Coffee and Coconut Body Scrub. Il est très bien, hein, j'utilise pour tout le corps mais j'insiste vraiment au niveau de mes genoux et de mes coudes également. Et franchement il marche super bien, j'aime beaucoup. Par contre l'odeur je suis pas fan, ça sent le café. Alors là, je vais vous montrer mon article coup de cœur. Vraiment coup de cœur. Bien évidemment, qui dit coup de cœur dit article non soldé. Alors, c'est ce sweat orange. Bam. Non mais regardez-moi cette couleur. Oh mon dieu, c'est magnifique. Ça fait un moment en plus que je voulais un sweat comme ça orange. Et là, je l'ai trouvé chez Forever 21 en taille S pour le prix de 19,90€. Ça va. Vraiment, je kiffe, il est trop beau. Vraiment, ce qui est sûr là, cette saison-là, printemps-été, je vais mettre que du orange, que du vert, que du jaune, que des couleurs comme ça, parce que vraiment, je trouve ça vraiment très joli. Ah oui, et aussi les filles, si vous demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est le Burn Spice de la gamme Retro Matte Liquide de chez MAC. Canon, franchement, je kiffe la couleur. Je trouve que c'est le nude parfait, vraiment. Par contre, je suis hyper dégoûtée. Regardez, il est cassé, s'il vous plaît. Il est cassé. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il est cassé. Il est cassé, or que je l'ai pas fait tomber rien du tout. C'était dans mon vanity. Je sais pas du tout comment il a fait pour se casser. Peut-être qu'il a pris un choc ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas tombé. Je l'ai pas fait tomber, donc je comprends pourquoi il s'est cassé. Là, franchement, je suis bien contente de pas l'avoir acheté parce que si j'aurais acheté. Qui serait cassé, j'aurais été vraiment dégoûtée, mais je l'ai reçu via la plateforme Octoly. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, j'ai changé mon nom Instagram, maintenant c'est Une Fleur en Ville, donc tout est recoupé. Je pense que c'est plus facile pour vous de me retrouver comme ça. D'ailleurs, je publie de plus en plus régulièrement sur Instagram, qui commence à prendre forme et ça me plaît, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'essaye aussi d'être un peu plus présente sur Insta Direct, mais dites-moi si vous êtes plus Team Snapchat ou Team Insta Direct, histoire que je sache si je vous rends compte de ça ou pas. En ce qui concerne les accessoires, j'ai pas fait trop de folie. J'ai acheté une ceinture simple parce qu'il m'en fallait une. Vraiment une ceinture simple de chez Pinky pour 4,99€ je crois. Avec la boucle comme ça, simple. J'ai la ceinture à deux boucles là, mais du coup je veux vraiment quelque chose de plus basique. Et donc j'ai trouvé celle-ci en taille XS et je suis trop contente parce que j'ai pas besoin de la couper ni rien du tout. Donc vraiment c'est parfait. J'ai commandé ce petit sac à dos trop mignon sur le site ASOS. Vraiment, ce sac, il est juste trop beau. Magnifique. Regardez la couleur. Encore une fois, il y a du orange. Donc, c'est sûr que j'allais adorer. Là, c'est en cuir. Ça sent vraiment en plus le cuir et tout. Non, franchement, il est top. Il est trop beau. Le seul bémol, c'est qu'il est vraiment tout petit, quoi. Il est minuscule. Vraiment minuscule et aussi il tient pas je sais pas comment vous dire, mais en fait il tient pas correctement au dos, vous voyez, il reste pas comme ça, en fait il tombe un peu, mais sinon je trouve qu'il est super beau, vraiment rien à dire. Par contre le prix c'est un peu cher quoi, 26,99€ pour ça, pour un petit sac comme ça. Je trouve que c'est un peu abusé, mais encore une fois c'est un coup de cœur, donc je l'ai acheté avec la petite pochette ici. Non franchement il est trop beau. Je le trouve vraiment très beau. J'ai également trouvé cette petite pochette en wax. Elle est juste magnifique. Vraiment, je l'adore. En fait, j'utilise ma main comme porte-monnaie. Elle est juste canon, quoi. Regardez. Oh mon dieu, c'est trop beau. Cette petite pochette, je l'ai achetée pour seulement 10€ dans une petite boutique à Pigalle. Le nom de la boutique, c'est Cœur. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Cœur qui signifie d'ailleurs maison en Wolof. Donc, dans cette boutique, on retrouve des sacs, des peignoirs, des objets d'intérieur, de la déco. Des petits jeux pour la maison, tout en wax. Et vraiment, c'est super beau. J'adore cette pochette, je l'adore. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'ai pu trouver pendant cette période de solde. N'hésitez pas à me dire quel article vous plaît le plus ou quelle tenue vous plaît le plus. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire des bonnes affaires pendant les soldes. Bye!